Salut tout le monde, c'est Zido et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très importante parce que c'est mes mains et espérances pour les championnats de France 2023 qui auront lieu ce week-end au moment où je tourne la vidéo à Tigéry. Donc je vais vous présenter à chaque fois quel cube j'utilise et ce que j'aimerais faire avec, sachant que je participe à 8 events. Donc c'est parti, tout d'abord le 2x2, donc au 2x2 je ne me suis toujours pas entraînée. Donc je me dis que je peux faire un AVG sub 6 si tout se passe bien, enfin si j'ai un peu de chance surtout, et j'utilise mon MGC Elite. Ensuite au Scoop, par contre là je me suis pas mal entraînée, mais c'est toujours assez instable. Là je suis sub 6.5 à au 100, donc j'aimerais faire un petit 6 AVG ou sub 6 si j'ai un petit peu de chance. Et j'utilise mon GAN Scoop. Au Pyra, j'utiliserai mon Moyu Weilong Pyramix et j'aimerais beaucoup faire un AVG sub 5, celui que j'attends depuis si longtemps. Là, je suis quand même sub 5 AO 500, même sub 5 AO 1000, donc j'aimerais vraiment sortir cet AVG sub 5. J'aimerais aussi faire un 3 single. Ensuite au blind, mon objectif c'est de faire un sub 2 single et de continuer à faire des succès parce que j'en fais vraiment beaucoup. Donc voilà, j'aimerais faire une mine et puis un petit sub 2 qui ferait plaisir. Et j'utilise mon Yuxin Little Magic magnétique. Ensuite au 4x4, j'utilise mon MGC et j'aimerais bien faire une moyenne en dessous de 50. C'est vraiment mon but, battre mon PR, ça me paraît vraiment compliqué. Donc voilà, déjà une moyenne sub 50 ce sera bien, surtout que je ne me suis pas énormément entraînée non plus. Au 5x5 par contre je me suis pas mal entraînée, j'aimerais vraiment faire une moyenne sub 1.50 voire sub 1.45 parce que franchement je me suis vraiment beaucoup entraînée et j'utiliserai mon Valk 5. Ensuite au 3x3, donc j'utiliserai mon GAN 13. Je pense pas utiliser mon nouveau Weilong V9 parce que je le trouve vraiment trop rapide. Et celui-là justement j'ai fait en sorte qu'il soit assez lent. Donc ça m'embêtera un petit peu de changer parce qu'à mon avis ça va me faire faire n'importe quoi. Et j'aimerais bien une moyenne vers 12 secondes, ce serait bien. Sub 12 ce serait très bien, mais déjà 12 secondes, 12 secondes et demie ce sera pas mal. Même si je me suis quand même beaucoup entraînée, mais je sors encore des 13-14 de temps en temps. Donc sur une AVG5 ça peut vite tout changer. Et ensuite au clock j'utiliserai mon Kiyi Clock et j'aimerais bien faire une moyenne sub 8. Et en fait j'aimerais faire PR-AVG parce que mon PR-AVG il est vraiment à 7.9 donc c'est énorme. J'aimerais bien faire un petit 7.5-7.6 et j'aimerais bien sortir un sub 7 single parce que j'en fais de plus en plus souvent. Donc j'aimerais bien qu'il y en ait un qui sorte, voilà. Voilà, vous savez tout maintenant. J'espère que je vais me tenir à ce que j'aimerais faire. J'espère que je vais faire des bons résultats. C'est mes premiers championnats de France. Enfin, j'ai déjà fait ceux de 2017, mais je faisais 16 secondes au 3-3. Enfin, j'y étais allée juste comme ça. Là, je joue vraiment des trucs. Et par exemple, au clock, si je peux essayer de faire top 5 français là-bas, ce serait cool. Au Pyra, quand même, 4 AVG, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien, je vais essayer de pas trop stresser et voilà, de toute façon vous verrez tout en vidéo. Allez, salut tout le monde!